d'autres commerces à Bastia avec vous, Henri Marianne et votre invité. Quelles sont les contraintes et comment les commerçants envisagent-ils cette reprise ? Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Il fallait reprendre impérativement parce que de nombreux commerces connaissent des difficultés financières importantes. Malgré les aides apportées par le gouvernement, ça ne suffira pas. Il faut de la trésorerie et beaucoup n'ont pas pu anticiper. Pour en parler, notre invité, Bruno Carré, bonjour. Bonjour. Vous gérez 4 magasins. L'un est ici, à côté de nous. Vous avez levé le rideau ce matin. Est-ce que la fréquentation a été identique à celle que vous aviez connue il y a 8 semaines, au moment où, du confinement ? Je ne peux pas trop vous dire si il y a 8 semaines, je n'ai pas le rapport, mais je peux vous dire au jour même, par rapport à l'année dernière, au même jour, la fréquentation ce matin était beaucoup plus importante que l'année dernière à la même matinée. Quoi, si vous attribuez à quoi ? Un effet rebond ? Un effet rebond, ça fait 2 mois que les gens ils ont pas vu qu'un magasin réouvrir, donc automatiquement ça leur a permis peut-être de venir un petit peu se faire un petit tour et dépenser un petit peu d'argent dans nos établissements. Au terme de 2 mois de confinement, quelle est la situation de vos entreprises ? Écoutez, la situation des entreprises, tout ce qui est magasin de chaussures, un petit peu, plus ou moins, on a perdu quand même 30% de chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires annuel. Tout ce qui est magasin de textile, là aussi, ça représente à peu près 30% de chiffre d'affaires annuel. On a des magasins dans le textile qui sont un petit peu plus en difficulté en trésorerie que les magasins de chaussures. Écoutez, ça va être quand même assez compliqué parce qu'il va falloir quand même avoir de l'argent pour pouvoir suivre. Est-ce que vous allez pouvoir garder vos salariés ? Alors, certains sont en chômage partiel. Certains sont en chômage partiel parce que à réouverture, on ne peut pas. Vous voyez, aujourd'hui, on a ouvert à 3 employés alors qu'on normalement on est 6. Donc parce qu'on ne sait pas exactement le potentiel client qu'on peut avoir dans la journée. Donc cette semaine, on va faire un petit essai, on va voir un petit peu. On a des personnes qui sont restées en chômage partiel parce que ne pouvant pas faire garder les enfants pour reprendre, puisque les écoles sont fermées à des endroits, donc ne pouvaient pas prendre une activité, donc restent en chômage partiel. Et des CDD qu'on ne sait pas si on va pouvoir garder ou pas les faire passer en CDI. On a vu beaucoup de chefs d'entreprise monter au créneau en demandant aux assurances de contribuer à la perte de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a des clauses concrètement, quand on est assuré, quand on est commerçant, qui permettent de pallier ce qui s'est passé pendant... Alors, le problème, c'est qu'il y a des clauses. Si, quand on a une clause, en fin de compte, sur les assurances, que quand l'État nous oblige à fermer un magasin ou un établissement, les assurances sont là pour prendre en compte, mais il y a deux clauses qui ne prennent pas en compte, c'est tout ce qui est pandémie et les guerres. Voilà. Donc, en fin de compte, on n'a aucun recours au niveau des assurances s'il n'y a pas un décret spécial de l'État qui permet de pouvoir avoir un remboursement de chiffre d'affaires. En 20 secondes, vous êtes plutôt confiant, plutôt inquiet. Quel est votre état d'esprit ? Écoutez, moi je suis de toute manière, on est des optimistes. Hein. Les entrepreneurs en Corse, il faut avoir beaucoup d'optimisme, mais il faut être aussi réaliste. Le problème, c'est que les entreprises qui ont très peu de trésorerie, eh bien, vont souffrir énormément et j'espère que l'État ou les régions feront le nécessaire pour garder ces entreprises ouvertes et en bon état parce que vraiment ça devenait très difficile actuellement. Merci Bruno Carré. Je vous en prie. Merci. Devant vos commerces. Merci.